Bonsoir tout le monde, bienvenue sur un nouveau live ce soir. 9ème course, avant-dernière course, Laguna Seca ce soir. On a beaucoup de roulage à faire parce que pour ma part, Laguna Seca c'est pas mon favori. Et pas non plus le circuit où je suis plus expérimenté. Donc si vous voulez regarder le live global, c'est rendez-vous Extreme Doux Racing, Sim Racing. Sur Twitch. Pour ce qui est de mon côté, c'est uniquement le onboard. Le onboard à bord de la DBR9 que j'arbore depuis déjà quelques courses. Donc il va falloir que je fasse pas mal de roulage. Donc c'est parti. Donc à titre d'information les gars, le circuit normalement se fait à peu près en 1 minute 30 pour les plus rapides. Il y en a qui sont déjà en 1h01, je crois. Ouais, donc ça l'envoie. Ah si, j'ai déjà fait sûr. J'avais un doute, mais là tout d'un coup à reprendre les premiers mètres, ça me parle de suite. Franchement les gars, c'est plaisir, ça m'a pas... C'est peut-être pas une 20 finalement, je vais me tromper dans les calculs parce que 20 c'est vachement rapide. Je pense qu'on peut faire moins de 20. Ah
Ah, je freine encore plus tard. Oh là. Aïe aïe aïe. Allez, c'est parti. On repart. Vous inquiétez pas, hein, je refais le. Je m'assure que le bac à gravier est conforme. Regarde ce qui ralentit bien. C'est ça. T'es en train de calibrer les cailloux ? Oui. Alors, pas plus de 3 mm. Et de mettre de préférence tous de formes différentes. Voilà. Vous imaginez un peu ma difficulté. Après, il y a des cailloux. Ouais, il y a différents coloris. Du coup, il faut que je compense. Voilà. Petit raccourci. Bah va être sympa les califs, moi je vous le dis. Aïe aïe aïe. Ok, bon bah c'est parti pour la qualifier. 10h11. Non, je déconne, pas 10h. Il est 9h10. Ça ferait un peu tard déjà. Le temps passe si vite. C'est ça. Allez, c'est parti pour la qualif. Qualif 7 minutes comme d'hab.
Donc en rappelant que pour ce qui est du vent, on va donc je vous ai mis un strobe pour vous tous. Normalement, soit GT3, soit LMP1, soit endurance, soit informatique. Pour terminer sur la dernière de la 10ème course. La course sur le. Chasse. Qui me passe comme ça. Bonjour. Thank you.
j'ai tout payé pour le bac à gravier, le second 4, tout va bien. Alors on est quand même 1, 2, 3, 4. On est 10. Ouais, non, mais on est 4 à être dans la même. Enfin. À quoi, à moins de 2 secondes. Ouais, je pense qu'on est toujours dans la même seconde, ouais. Oh. Et pendant ce temps-là, t'as Snobisme, le noir, Quentin, Boomer qui sont pareil dans la même seconde. Ça, franchement. Ouais, mais dans la même seconde, à une 21. C'est ça. Mais 6. Yes. Donc oubliez pas, c'est un départ arrêté. Allez, bonne course. Yes. Trop chaud dans l'accélérateur. Ah non, non, c'est, je crois que j'ai été poussé. Hein. Là, je crois que j'ai été poussé.
J'ai fait pour celle-ci.
J'aurais pensé que ça aurait été ma connexion, mais on est bien d'accord pour dire que ça n'a rien à voir. Ce que je comprends pas, c'est que les parties sont pas hébergées sur les serveurs, a priori elles sont hébergées. C'est encore aberrant ça. Alors je dis pas, pour certains jeux ça passe très bien, mais comme ça, c'est marrant cette petite descente, ce petit chicane en descente. Hein.
Ah bah là c'est une séance d'entraînement assez hardcore. Je suis pas assez bon pour ce circuit. Hein. Parce que je comprends pas assez fort. Parce que autant que ça, autant que je dis, c'est pour moi aussi. Ouais, Pablo. Genre, je me suis arrêté au centre, il est resté 10 fois quand je me suis arrêté. Et genre, à la fin, il a fait 5 tours de carburant. Ah, moi aussi, j'en ai fait. Ouais, des fois, genre, il m'a mis 4 secondes à l'arrêt. Quand on est encore en train de faire une séance, on est Moi, j'en ai mis 11 points, comme ça. Bon, bah voilà. Je suis pas dernier, cool. Oh, finesse. Ok, bon. Décidément. Mais par contre, Barrichello, Alban, il s'est pas enlevé. Ouais, j'avoue, moi aussi. Ouais, mais en fait, je sais pas pourquoi il a quitté, il va falloir que je regarde pourquoi il a quitté. Mais il a quitté, je sais pas pourquoi. Fabio, tu m'as mis 4 secondes, hein. Parce qu'à l'entrée, j'avais 3 secondes et tu m'as mis 7 secondes. Et à la fin, tu as eu à 3 secondes. Bon, bah en tout cas, course sympatoche, rapide. Par contre, les pneus, très très dur, hein, les pneus. Hein. Putain, que ce soit les tendres ou les super tendres, putain, je les ai pas tenus. Hein. Non, non, bon, on a... moi je trouve que c'était pas trop mal, c'était assez bien au niveau du challenge. L'essence c'était trop peu. L'essence c'était trop peu. Mais les gars, par contre, Arthur il vient de rejoindre. Comment ? Arthur il vient de rejoindre. Oui, mais c'est pas grave, il m'avait prévenu. Ah. Ouais. Il pouvait pas venir pour 9h. Bon bah voilà, une game qui se termine cette fois-ci, Enzo derrière. Enzo ouais. Derrière. Enfin. Enzo n'est pas premier. Eh ouais. Ouais, c'est la relâche, avoue-le. Avoue-le, c'est la relâche. Ouais. Non mais en plus, je pense que c'est ça qui m'a... Non, Laguna Seca, c'est quand même un circuit technique. Son, hein. Son Lewis, hein. Il nous a fait son Lewis Hamilton. Oh, bah maintenant que je suis champion, je vais dire que j'ai le Covid. non, c'est son G29 qui a le Covid. Oh merde. Bon, bah en tout cas, prochain rendez-vous est tout bête, tout simple. Mardi, Le Mans. Là, on finit, c'est Royal. Donc, certainement, une heure de course. Format endurance, on va en reparler tous ensemble les gars. Pour ce qui est de Twitch, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci d'avoir regardé le live. Merci si vous avez regardé sur YouTube. En tout cas, pour ce qui est de la donc les lives prochains, demain on a un nouveau pilote sur WakeGT Live. Donc ne manquez pas le live demain. Je vous dirai pas qui c'est, ce que je vous laisserai aller voir. Et pour ce qui est donc du gaming, on se retrouve mardi prochain. Prenez soin de vous, restez sages, à mardi. Ciao.